Salut, c'est David Guetta, on est ici à Los Angeles, je suis dans la Cadillac de notre héros pour le tournage du clip Love Is Gone, le premier extrait de mon album Pop Life. Alors, Love Is Gone, c'est l'histoire d'une rupture et du sentiment de tristesse qu'on peut avoir quand on arrive à la fin d'une relation et avec une personne qu'on a vraiment énormément aimée. Dans cette vidéo, en fait, on suit ce sentiment de désespoir de notre héroïne. Et elle a une journée épouvantable, tout se passe mal, elle se fait larguer par son mec et elle arrive à son boulot et elle essaye d'exprimer sa peine en parlant aux clients, et en fait personne ne la voit, personne ne l'écoute, et elle a ce sentiment qu'on peut avoir quand il y a une rupture et qu'on souffre, d'être complètement étranger au monde qui nous entoure et de plus avoir de prise vraiment sur la réalité. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe, parce que quand il y a la ligne de basse qui rentre, tout devient complètement fou, les machines s'emballent, elle fait que des conneries et ça tourne à la folie. Pour moi, la vidéo, ça a toujours été le truc le plus difficile, parce que autant je suis vraiment quelqu'un du son et de la musique, autant pour l'image, je trouve ça super dur. Super dur de savoir d'avance en lisant des scripts ce qui va être bien, ce qui va être mauvais. J'ai fait le choix de travailler avec Denis Thibault en voyant des clips qu'il a fait auparavant, pour Bob Sinclair par exemple, et c'était vraiment, je trouvais, super réussi. Tu vas bien, Denis ? Ça va. Ça va ? Les acteurs sont bons. Ça va. Ça commence à devenir sérieux maintenant, les clips là. Ah ouais, là, je suis impressionné moi-même, dis donc. Camera, and we settle, and action, Kelly. You're late again. Get back to it. That is a good placement. More energy. Alors pourquoi Los Angeles, en plus de la lumière qui est très spécifique à cette ville? Il y a bien sûr le casting, parce que des gens comme ceux que vous voyez dans la vidéo, en France, on n'en a pas. Hello everybody. Hello. Hello. That's how I'm like. Mais bien sûr, vous aussi vous parlez français? J'adore la mamie là. La mamie, elle est extraordinaire. Bon, voilà mon pote. T'as vu? Voilà, c'est comme ça maintenant. On a un peu changé de style. Et puis, cette imagerie très américaine qui donne tout de suite une dimension vraiment internationale au clip, puisque l'idée, c'est que le clip passe dans tous les pays du monde. Et c'est vrai que, en plus, ma musique s'inscrit plus dans une culture musicale américaine que dans une culture de variété française, quoi. Ouais, c'est dans le style que tu veux, vraiment robot comme ça, là, tous les sens. Ouais. That's
One, two, three. One, two, three. One, two, three. Cool. Ça se passe bien ce trip, David? Tournage? Bah écoute, pour le moment, c'était vachement bien parce que j'étais pas encore dedans. Donc c'est maintenant que ça va se gâter puisqu'il va falloir que je fasse des images. Je crois que je suis pas le meilleur acteur, mais bon. Les autres sont très très bons, donc ça devrait aller, ça devrait faire une balance. Dans le clip, je suis en train de lire l'essentiel de la trigonométrie. Et je crois que je vais glisser Electronic Musician à l'intérieur. So let's lock it up outside, guys. Action! Ça se passe bien, mais on est super à la bourre parce que beaucoup de plans à faire et qu'on est super à la bourre et qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir finir en temps et en heure. Je pense que finir à quelle heure ce soir? Je n'ai pas le choix. À 8h et coup. All right, ready? And slate in. So you talk to the old ladies at the left. Okay? Are you sure? Yep. I can see it now. Parce que t'imagines là, si je fais tomber la bécane, comment je me fais défoncer la tronche là, c'est pas bon.